Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dofus Retro. Donc vous le savez, il y a quelques jours, je suis revenu sur Retro. Et puis bah là, on continue tout simplement, donc le ocre, les archis, etc. Les exos, on parle de Kama, on parle un petit peu de tout, on fait des petits trucs à droite à gauche. J'espère que l'épisode vous plaira. Merci d'ailleurs pour tous vos retours par rapport à l'épisode précédent. Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Dofus Retro, c'est la Madeleine de Proust, évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des trucs aussi sur Elisael et sur Hush, vous verrez bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Normalement j'ai le tot, normalement j'ai le sphincter. On est d'accord, il est censé enlever le boss et juste te rendre la pierre avec les trucs à l'intérieur. Donc en fait on va avoir deux torts. Logiquement, vas-y on va voir. Eh, je suis passé 192. Ok, nickel. Donc j'ai XP 42 923 000. En vrai c'est XP bien. Attendez, mais attendez, je suis quasiment... Ah non, ok, j'ai bugué. Je suis pile poil 192. J'allais dire que ça fait un peu beaucoup quand même. Là c'est quoi? C'est quelle étape? Oh, on est aux archis. Ok. Bah voilà. Alors, est-ce que j'ai des archis sur moi? Est-ce que j'ai tous mes archis sur moi? Vas-y. Oh putain, je l'ai mis à jour pas mal en vrai. Ok, il manque Sourisoto, Boudalf le Blanc, Boulgourville, le Lointain, et Arachitique la Souffreteuse, Piulette la Coquine, Piouf la Maquillée, et Shamshi le Difficile. Shamshi, il me semblait que je l'avais. Arachitique la Souffreteuse. Donc là, si je fais rechercher, Arachitique... Tu peux, mais ça plante, ok. Ça met 1000 ans. Je fais la quête du ocre, c'est ça, exactement. En gros, c'est le ocre qui me manque. Ok, donc Arachitique vaut 150 000, ce qui est cher. Ce qui est cher. Le problème, c'est que ce que j'ai, c'est que j'arrive pas à estimer. En gros, j'ai le site où il y a tous les archis. Je regarde si j'ai la... Enfin, c'est ce que je faisais, je regarde si j'ai la pierre. Donc là c'est Picht, le briocher. Donc je vais sur le site, je tape brioche, par exemple. Et là, je le rajoute. Donc ça me met que je l'ai. Et si la prochaine fois que je le tape, je le regarde, bah là, je verrai que je l'ai. Tout simplement. Crognan le barbare. C-R-O-G-N-A-N. Ah ouais, 680 000 HDV. Wouah, putain. C'est hors de prix, quoi. Hein. Bon, bah tant pis, hein. Vas-y, hein. Oh, je suis ruiné. Je suis ruiné avec un archi. Putain. Mais bon, il est rare. C'est parti du jeu. Voilà, il y a toute la liste de tous les archis. Et donc forcément, bah les verts, c'est ceux que j'ai. Et les blancs, c'est ceux que j'ai pas. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont en blanc, quoi. J'en ai vraiment beaucoup acheté encore. Je ne possède pas... Dans tous les monstres, on voit tout ce que je possède pas, du coup. Et il y en a. Oh, putain de merde. Alors, est-ce que ça met à jour? J'ai mis une seule étape à jour. Je vais remettre cendre, genre, vers là. Voilà. Un petit chat. Donc, il nous manque Shamshi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est important, je vais faire... par étape. Et là, on est à l'étape triée par étape. Donc c'est Sourisoto le collant qui me manque. Et on va aller chercher en HDV. Hein. Il me manque Sourisoto le collant, Piulette la coquine, Arachutique. Ah non, il m'en manque plus. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 6. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est de me dire que je vais payer hyper cher. Oh, oh putain. Oh là là, mais ils sont tellement chers tous les archis. Mon dieu, c'est indécent. 23, 24, 25. 25 x 4. Pas très compliqué. Il me manque 100. 101 du coup avec Rock'n'Roll. Nico, il a acheté son 49, 17 millions. Donc je pense... ce sera pas ces prix-là. Hein. Ah. Ouais, il y a 2% de moins. C'est ok en vrai. Après, avec un 45, t'as 4 millions d'écart, quoi. C'est les prix, hein, c'est à peu près les prix, hein, je pense. Vas-y, je vais le prendre. Allez, ça me fera mon gros achat de la soirée. Allez hop, but. Et voilà. Ça fait bizarre. Première fois que j'ai un pourprince sur 1.29. Enfin, en dehors de rétro, évidemment, Temporis. Et du coup, il nous manque que le tutu. Enfin, évidemment, le ocre, hein, qu'on va finir tranquillou. On va faire quelques petites tentas quand même sur l'anneau de Nico. J'ai quelques runes. Et bah, c'est plaisir d'avoir le petit pourpre. En gros, Nico, il est à 100, 150 échecs, je sais plus combien. Attends, il l'a dit dans son bloc-notes, je vais vous dire. 138. Il est à 138 en tas. Dessus, il est pas passé. Donc, il veut un G, perf d'eau. Il veut 10. Je lis dans l'ordre. 37 mini, 27 mini, 37, 19 pp. 272, je crois, il m'a dit, Eni. 15, 190,
10%. Soin, il s'en fout. Résistance à l'eau, il s'en fout. Et créature invocable, bah une forcément. Ok, bah bonne tenta à nous. C'est parti du coup, première. Tenta. Donc Sandor, paisiblement. Ok, bah il a explosé l'item. Faut continuer. J'aimerais bien le passer à Nico, ça lui fera du bien, hein. Il est vraiment au fond. 10, 39, 38, 32, 20, 273, il m'a dit 272, donc ça lui va. À 11, il y a les 10 et 4. Il manque juste les soins, mais c'est bon. Il s'en fout des soins on est, et des résistances hauts, on est ok là le chat. Oh, allez, la sagesse là va détruire l'item. Ok. Tu sais venir, Zap Village, j'arrive. Ok, hop. Ah, il est là, ce Pikachu. Va être exécuté au Zap Amaknat 2.0 puis sanctionné pour avoir utilisé un logiciel de bot métier mineur. Le spectacle commence. Stylé. Le joueur va être exécuté puis sanctionné pour avoir utilisé un logiciel. Stylé, stylé. Oh, le monde. Tous les sadiques au Zap, c'est ça? Oh, oh, le lag, sa mère. Voilà. Ah d'accord. Les gens qui rejoignent le combat. What the fuck. Et il a 100 PA du coup, ça c'est pratique. Il a 99% de résistance partout. What the... Regardez le nombre de gens qui rejoignent en spec. What the fuck. Oh, il a invoqué un tofu. Ok, ok, ok. Attends, je vais mettre. Merde, non, non, c'est pas ça que je vais faire. C'est haute, c'est haute, c'est haute. Oui. C'est un peu joli, quand même. Tue-le, tue-le. Il a invoqué un tofu, putain, Robocop. Ça m'extermine. Ah, oui, c'est ça. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Mort au cheater. Voilà, dites-leur. Vous avez tâté le bâton Hammer, mon fidèle marteau de la justice qui me confère force et pouvoir divin. Oh, let's go, détruis-le. What the fuck? Ah, mais il lance Doom. Il est en forme, là. Ça m'extermine, hein, vraiment. C'est vraiment le meilleur design, quoi. Au niveau sprite, c'est n'importe quoi. Le mec AFK, je pense qu'il... C'est un bot, hein. Je pense qu'il s'en branle. Le tofu va le tuer à force. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça aura été un retour... marrant sur rétro aujourd'hui. On aura vu tous les bans, on aura le... Il y a un Xel qui se fait laver pour un modo. Exactement, Guigui. Vas-y, détruis-le, Robocop. Robot Cop. Le sprite est incroyable, je trouve vraiment, il est trop drôle. C'est putain de bot, le Xel, oui. Oui, c'est pour ça qu'il se fait ban, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, oh. Putain, ces animations sont... Oh, elles sont trop belles. Il se fait plaisir de fou. What the fuck. Au revoir. Il fait le même bruit que le... Que les cyborgs. Au revoir. Oh putain, l'XP. La barre d'XP qui dépasse le seuil max, ça m'extermine. Ça n'a aucun sens, putain. Il y a marqué 7 milliards 47 sur NN. En fait, dans le chat, regarde le nombre. Oh là là. Tu vois sur le stream? Ouais, je vois, je vois. Je rejoins le spec. Ah, c'est bon, c'est parti. Regarde, regarde, regarde le canal vert de rejoindre le combat en spec. Regarde, regarde. Ah, c'est incroyable. What the fuck. Bonsoir. Hernandez. Il dit bonsoir quand même. Il leur pète la gueule, mais il dit bonsoir. Bah, la courtoisie. La courtoisie. Dans tous les moments. C'est important. Il y a quelqu'un devant l'écran, pas sûr de cette info. Oh, mais mon rêve, ce serait qu'il fasse une flèche enflammée, tu vois. C'est mon rêve absolu, ça. C'est qu'il fasse un gros, mais vraiment un gros flèche enflammée en panoply work. Enfin, en panoply pod. Ce serait mon rêve. Est-ce que tu vas reprendre les épisodes sur Dofus Retro? Je sais pas. Je vais voir. Si l'exo passe, oui. Attention.
Et pas 9. 5, c'est bon, on a tout. Allez, derrière Tanta. Et pas 9. Elle n'est pas passée, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Pas très grave, de toute façon. On sait que ça va prendre du temps. Allez, let's go. Oh, la dragueuse qui est chez nous. Eh ben, elle va mourir. Bravo à elle. Odo, allez. Oh, oh, let's go. Oh, t'es vraiment un animal. Nico, il va te détester, quoi. Nico, il va même plus jouer avec moi, sache-le. Le nouveau mob qu'ils ont sorti, là, avec la mage Vulcania, là. Ah, bah, j'ai vu ce matin un mec qui disait qu'il y avait un gars qui... pour faire chier tout le monde, était resté dans le combat pendant une heure et demie et le mob rebop pas. Voilà. Oh putain, genre, c'était sûr que ça allait arriver, ça. 13 millions, ouais, c'est ok. Ouais, ça XP pas. Ouais, c'est ok. 7. Un petit Vulbis qui tombe en légende. Ça va, Erwin? Putain, let's go. Le grand c'est Logan bon. Qui vient. Salut, Logan. Et vas-y, hein. Un petit Vulbis, un petit streamer buff sur ma ligne. Putain, t'imagines, en vrai, là. No joke. Il y a un Vulbis qui tombe sur ma ligne là. Ça va jaser. Ah bah là, c'est... Ça jase. Ouais. Pour finir. Oh là là, tout est bien pensé. Oh là là, et ça mérite un Vulbis ça non? Allez, bon XP. Et pas d'œuf. Étonnant. Surprenant. 24 millions quand même, c'est bien hein, franchement. Donc on va faire, je ne possède pas. Donc là on continue le ocre les amis, donc... Pour ceux qui n'ont pas vu du coup, je suis donc dans l'éternelle moisson. Je suis à l'étape des archimonstres, donc on a fait tous les monstres et tous les boss. On est à l'étape des archimonstres, sachant que je suis dans les archis actuellement. Il me faut Piulette la coquine et Shamshi, donc qui sont très difficiles à avoir. Ou Dalvou le blanc, tout ça. Bon, il y en a quelques-uns qui sont durs à avoir. Mais je cherche à tous les avoir un petit peu à côté. Pour les enchaîner quoi, mais des fois il y en a qui sont bloquants. Par exemple, Piulette la coquine, il est très cher, et il est à 1,5 million je crois en HDV, du coup on cherchait un peu moins cher tout simplement. Oh, putain, il y a du PVP. Il donne 75 de stats pour un item 150, enfin 160 et quelques, c'est pas mal. Sur un mode bi-élément OR, c'est bien. Ça dit contre Sacri. Bah, oh, tu vas douiller. Le pauvre Sacri. Le pauvre Sacri de faire rien. Ah ouais. Oh putain. Ah, mais comment tu fais Sacri contre Sadi, tu peux pas? Bah, il te faut 1 million de PM, il faut des exo PM partout. Ouais, mais même. Il garde la surpie en vie, oh, tu ne joues plus. Stylé, un ennemi. Pas de problème. Hein. Voilà, pour me battre ou quoi. La castagne. J'ai pierre d'âme à vendre, c'est laquelle celle-ci? Fandburn le viril. Bah, ça, je suis chaud. Je suis méga chaud, Jackie. Donc là, nous, c'était Bulgig, Hautain et Soldat. Merci à toi, en tout cas. C'est bien ça. Fantassin, le Soldat, ouais. Et Fandwish, l'Hautain. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Bulgig, le Danseur. Bulgig, merci à toi. Tac. Fanbune, le Biril, hein, c'est ça. Vas-y, je vais le mettre. Alors, vas-y, je vais lui donner. Voilà, ça a mis à jour. Qu'est-ce qu'il manque là? Il manque Piulette, la coquine, c'est tout? Bon, il faut que je l'achète, elle. Il m'en manque exactement. Alors, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19. Il me manque 19 archis au total. Dans 19 archis, j'aurai les 286. Après, c'est le plus important. Quoi. J'ai ma crâle à mention que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Et PM. Je pourrais vendre en vrai, hein, qui est pas mal. Hein. Franchement, que j'ai faite, moi. Qui est vraiment pas mal. Je vais être avec mes petits sous-sous. Elle est over de 1 pp et PM. On va finir ton ocre si tu la vends là, non? Si je la vends, je peux large finir mon ocre, ouais. Mais je sais pas si je veux la vendre, je sais pas. Je peux en mettre 4 du coup. Voilà, HDV. Et plein. L'HDV est plein, ouais, effectivement. Bon, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me fera un petit peu de Kama. Déjà, ça me fera peut-être quelques archis en plus. Donc, on va pas cracher dessus, effectivement. À la quête, je sais pas si elle donne beaucoup de Kama et tout. Mais ce sera pas mal, ouais. Allez, bisous à tous!
Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également regarder un autre épisode en cliquant directement sur l'écran ou nous rejoindre sur Twitch pour vivre l'aventure en direct avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à tous.